Par les Chines, 2017. Il a terminé deuxième.
On n'a pas empêché aujourd'hui Jean-François Bernard d'être l'un des tout premiers, mais quelle finale! C'était quand même difficile face à Gaillard et Mottet. Je crois que quand on est entre deux coureurs systémiques, pour moi c'était assez difficile. Je savais qu'au sprint, de toute façon, je serais peut-être battu par Gilles Sanders, alors j'ai tenté ma chance de loin, mais ils étaient deux contre moi et c'était trop. Jean-François Bernard, troisième du Tour de France et troisième aujourd'hui de ce Critérium de Quillan. On aimerait avoir Jean-Marc Baratini qui a terminé premier amateur, le coureur de la VTT de Montpellier, que nous avons appelé à plusieurs reprises, demander ici. Je voudrais vous faire applaudir, je voudrais vous applaudissiez. L'équipe de la SPIAN, parce que j'ai présenté il y a quelques jours Castillon la bataille, hier au signal, je me suis rendu compte que vraiment des critériums professionnels, c'était difficile à organiser, et la performance de nos amis Casals, Fouillet et de toute l'équipe n'allait que plus performante. Encore bravo à toute l'équipe de la SPIANESSE.